Xong trình quỷ. Chìm to xong trình mì thị vi lục khiêu dùm phón là mì xong nuôi dùm phố đam đang đọt bạc hiểu này. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à Madame la Partie civile. Je m'appelle Anta Guisset. Je suis co-avocat international de l'Association de Santé. C'est à ce titre que je vais vous poser des questions complémentaires. Et à titre de suivi par rapport aux premières questions qui nous ont été posées par Monsieur le juge Lavin, je voudrais revoir avec vous la chronologie que vous avez évoquée. Vous êtes arrivé à Phnom Penh le 17 avril ou un petit peu après le 17 avril 1975 et vous avez eu différentes affectations. Vous avez indiqué que vous avez vu que son pont a deux reprises. Alors vous avez donné une première version en indiquant qu'une première fois c'était à Watunalom et une deuxième fois à Boratila et puis dans un deuxième temps hier à 15h03, vous avez rectifié en expliquant que vous étiez trompé et que c'était en 75, mais que la deuxième fois vous l'avez rencontré, c'était à la pagode Nalom, et que la première fois, donc, c'était au stade de Boraikila. Est-ce que vous confirmez ce point et est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Trong ác khiêm dây thăm mấy niềm chúng ta ở bình bàn. Elle était effectivement un peu longue, je vais essayer de la couper. Vous êtes arrivé à Phnom Penh le 17 avril 75 ou un petit peu après le 17 avril 75. Est-ce que j'ai bien compris? Khởi thay đồng bờ mê xa dù đá phần nợ khăn ngay ước khai mê xa phần nằm đằng chân ngay phần mà anh kìm chôm đó thì cổ rộng nâng. Il n'y a pas de souci, avril 1975, c'est un bon point de départ pour se repérer. Vous avez indiqué donc hier, vous corrigez sur une première déclaration, hier à 15h03, je vous cite, vous avez indiqué, en parlant de Khieu Samphan, je l'ai rencontré pour la première fois au stade de Boraikila, c'était en 1975. Je me suis trompé tout à l'heure, la deuxième fois où je l'ai rencontré, c'était à la pagode de Unalom, une précédente une conférence destinée aux jeunes hommes et aux femmes ce jour-là. Cette conférence a duré toute la journée. Fin de citation. Ma première question pour essayer de vous repérer, est-ce que vous vous souvenez combien de temps après votre arrivée à Phnom Penh vous êtes mariée? ខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញរយៈខ្ញុំវាមិនចាំបានថ្ងៃឆ្នាំថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងជាឆ្នាំចិត្ត5ឬចិត្ត6ប៉ុន្តែតាមតែស្មានមើលហ្នឹងដូចពួកខ្ញុំដូចខ្ញុំជម្រាបមុនថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ដឹងថ្ងៃអីទេដឹងថ្ងៃអីមិនដឹងខែអីទេនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមកជំនាន់ខ្មែរក្រហមនេះនឹងខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹង Dans votre déclaration, votre premier formulaire d'information de victime, document E3 319-2015,
415.4.8. Donc c'est un document, c'est le premier formulaire que vous avez rempli pour être parti à la procédure, qui date du 14 octobre 2009, donc peut-être un peu plus, vous aviez des souvenirs un peu plus frais. Vous avez indiqué ceci, et je cite en anglais l'URN 011-39-644, l'URN en Khmer 014-9-3-7-9, et pour cette partie, il n'y a pas de traduction en français. Et vous évoquez votre arrivée en 1975 à Phnom Penh, et vous dites ceci en anglais. After 6 months of working there, they arranged for me to get married to Fatten, who was then 26 years old. Fin de citation. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire, madame, votre mariage est intervenu environ 6 mois après votre arrivée à Phnom Penh? Monsieur le Président, merci, Monsieur le Président. Madame la partie civile, est-ce que vous vous souvenez combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous êtes arrivé à Phnom Penh et le moment où vous avez travaillé au marché d'Orussey? Sans vous souvenir exactement, est-ce que c'était longtemps après votre arrivée à Phnom Penh ou est-ce que c'était peu de temps, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois après votre arrivée à Phnom Penh? Et quand vous dites un peu longtemps, un peu longtemps pour vous, ça veut dire combien de temps? Est-ce que c'est plusieurs semaines? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est deux mois? Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par un peu longtemps? ប្រហែលជាតាមមកចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញតាមស្មានមើលដឹកខ្ញុំបានធ្វើការមកខ្ញុំមកជាអ្នកជើងផងអីផងមកធ្វើការប្រហែលចូលទៅ 6 7ខែហ្នឹងបានពេលខ្ញុំរៀបការហ្នឹងតាខ្ញុំស្មានមើលខ្ញុំអត់ដឹងការខែប្រហែលថ្ងៃប្រហែលផង. Donc, je comprends votre réponse que vous êtes marié 6 ou 7 mois après votre arrivée à Phnom Penh, ce qui correspond effectivement à ce que vous avez dit dans vos déclarations précédentes, à savoir que vous situez votre mariage en 1975. Ma question maintenant que nous avons une tranche un peu plus définie est donc de savoir est-ce que vous vous souvenez
si la première fois que vous avez vu que son pont selon vos déclarations, c'est-à-dire à Wat Malom, c'était avant ou après votre mariage? Et la deuxième fois, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'objection par rapport à la question en tant que telle, seulement la formulation. Parce que tout à l'heure, l'avocat a pris la peine de lire le projet de transcription de l'audience d'hier, où Mme la partie civile avait dit qu'en réalité, elle avait rencontré, elle avait vu que son pan d'abord à Borakela et ensuite à Wat Unalom. Alors, cette fois-ci, on a encore la version dont je ne sais pas si Si c'est volontaire ou pas, la première fois que vous avez vu M. Kassampan, vous dites que vous l'avez vu pour la première fois à Wat Unalom. Non, à Boraikila, pardon. Est-ce que vous pouvez le situer par rapport à votre mariage? Est-ce que c'était avant ou après votre mariage que vous avez vu pour la première fois M. Kassampan au stade de Boraikila? Donc est-ce que je suis est-ce que je me trompe si je conclue de ce que vous avez dit que les deux fois vous auriez vu M. Kassampan, c'était avant votre mariage? Est-ce que c'est bien exact? Toujours pour essayer de situer dans le temps, entre la première fois que vous avez vu M. Kassampan et la deuxième fois que vous l'avez vu, est-ce que vous pouvez évaluer le temps qui s'est écoulé entre ces deux rimes, c'est-à-dire la première fois au stade de Boraikila pour le procès de Unanim et la deuxième fois à la pagode de Unalom? Est-ce que vous vous souvenez combien de temps s'est écoulé entre ces deux événements? ខ្ញុំចាំអត់បានទេដឹងរយៈពេលប្រមាណខ្ញុំទៅនៅផ្សារចាស់ឡើយទេដល់ពេលខ្ញុំជួបគាត់លើកទី2នៅវត្តណាឡើងខ្ញុំទៅនៅផ្សារទូទៅពងព្រមដឹងរយៈប្រមាណថ្ងៃម៉ោងខែខ្ញុំអត់ដឹងដែរអត់បានចាំ Je voudrais donc m'intéresser maintenant à ce premier événement. M. le juge Lavergne vous a posé tout à l'heure quelques questions à ce sujet et je voudrais avoir quelques précisions complémentaires. Ma première question, donc cette réunion à la pagode Unalom au cours de laquelle vous dites qu'il s'agissait du procès de Yun et Nim, qui vous a invité à cet endroit, qui vous a dit d'assister
ឲ្យទៅចូលរួមការជំនុំជម្រះហ្នឹងឬការឬក៏កិច្ចប្រជុំដែលគេកាត់សេចក្តីហ្នឹងសូមជួងលោកមិទ្វីនាំមុខដំរឹងរដ្ឋបវេនីបាទសំគ្រប់លោកប្រធានសំណួររបស់លោកស្រីមេធាវីអំបញ្ញមិញហាក់ដូចជាមានការភ័ន្តច្រឡំពេលដែលលោកស្រីបានជួបលើកទី1គឺគេបាននិយាយអំពីលោកខៀវសំផនបាននិយាយអំពីការកាត់ទោសហើយបានលើកទី2បាននិយាយអំពីការរៀបការOui, effectivement, j'ai commencé sur l'erreur et je continue. Donc, je reprécise, dans votre première réunion, vous avez situé à Boraikila, sur le procès de Ouyounioui. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez m'indiquer si, quelle est la personne qui...qui vous a invité à cette réunion, donc au stade de Boraikila. Donc ce que vous avez indiqué dans votre déclaration à là-bas. ឡើងឡានទៅខ្ញុំទៅទាំងភ័យផងទៅនឹងបើត្រដល់ឃើញគេឃើញឯងទៅក៏អត់អីដែរគ្មានគេប្រាប់មុនផងអត់មានប្រាប់មុនចាឃើញព្រឹកឡើងឃើញឡានទៅហៅផ្ទះហ្មងថ្ងៃទៅបុរីកីឡាហ្នឹងEt à quelle unité apparteniez-vous au moment de cette rencontre, de cette convocation? Qui était votre chef direct à l'époque? Étiez-vous la seule de votre unité à vous rendre à cette réunion? Et votre chef d'unité était-il présent également? Dans votre unité de récupération de butin de guerre, est-ce que vous aviez un rôle particulier, une fonction particulière? បានគាត់ច្រើនឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំច្រើនរឹងប៉ឹងជាងគេទៅណាគាត់ច្រើនដេញខ្ញុំឲ្យទៅហើយឯ
Votre chef Mun vous a-t-il expliqué pourquoi vous étiez la seule à partir à cette réunion et pourquoi lui-même n'assistait pas à cette réunion? Quand on mène des pièces qui ont pongé, qui ont coupé ma dame sous quoi, des quand thao qui quand on cueille lan mao, thao chmu qui ont mal tới, qui ont co lan lan tới tới, hồi quạt ắt tới đằng mấy qui ont cùng bán sous non quạt tai nó, hồi tới 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 hồi mau mau mao, mẹ ắt đằng thì, ắt đằng người mấy ắt đằng. Combien de temps a duré cette réunion ou ce procès à Boraïkila? J'ai compris de votre déposition ce matin que vous êtes parti avant la fin, alors je vais peut-être formuler ma question. Combien de temps êtes-vous resté sur place? Ta loksrei nou chol rum pachom nang ahayapel ponman dai. Chom chol pachom nang kona chol ta rip chom kam vithi nang kona kịp cả ta ao nia sa mau dây nấng cô chăm nhẹ tới cái giống như mà kéo chậm này ông khi phò nó còn toàn bàn dây thì còn đang quỳ nó từ từ bước xa nông thì còn toàn bàn dây ấy còn nia sa nẹn dây thì đòn dây nia sa nông dây tới chăm cuộc tuần nhẹ tới cái giống như mà đầy bẹt máu chăm có bàn đập to tiệt đài thì phải phải toàn bàn nó phật thế còn phải mong bay mong buồn nấng phải mà máu nấng chăm chơi mà bình màu. Cette première fois, vous avez vu que Sampan, comment avez-vous su qu'il s'agissait de que Sampan à la tribune? Je suis allé à la tribune. Je suis allé à la Et avant cette première fois, Boraïkila, vous l'aviez vu auparavant? ជាលើកទី1នៅបរិយាកាលហ្នឹងតើលោកស្រីបានជួបគាត់ពីមុនមកនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតទេខ្ញុំមិនដែរបានជួបគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនឹងខ្ញុំក៏ស្គាល់ថាខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំស្គាល់គាត់ហ្មងហើយតើគេអ្នកផ្សេងទៀតឬគេប្រាប់ខ្ញុំដែរថានឹងលោកអ៊ំខៀវសំផនហើយគេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្គាល់គាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរបានជួបកន្លែងណាផង. Donc, si je comprends bien votre déposition, c'est parce que d'autres gens à côté de vous vous ont dit que c'était que Sampan, que vous avez compris qu'il s'agissait de Sampan, c'est ça? Oui, c'est ça. 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 Oui, c'est hồi đó kịp cá máu con chân mềm kịp cá có kịp cá tam thằng ông kia phồn được đại. Et c'était une annonce qui a été faite par qui? Hay nè nãy chưa nè bà cá nè. Ot school phong bên hiệp cam vị thi miền nè cá hàng cam vị thi nè ngập bên kia ot school đi phong. Et est-ce que cette personne a annoncé quel poste aurait occupé Sampan à ce moment-là? Quand Mien Ban Pakah Kheo Sampan, c'est le seul mot que qui a été prononcé? Conseiller? On n'a pas dit conseiller de quoi? Admien bichak phong, kon phep ta panang. Hai ke nyi ai phsein tiet te ko khnyom mon dang dae, ot dang dae.
J'ai compris de votre déposition ce matin que vous avez indiqué qu'il y avait d'autres personnes qui ont été présentes à ce stade de Bourekela et qui étaient à la tribune. Est-ce que ces personnes ont été également présentées? Chẳng khi nhóm xua lục xoay thả ta kê miên thơ ở tí xin niêm nẹ đọt tay tía tế đề đi miên vọt miên lơ về tư ca đài nâng đài rửa tế. Kê tư xin niêm đá bà nâng hiên mân kê vâng nhóm cục lịch đài đăng chmu ấy tê miên ai khơi nhìn côi lư nông bà nâm đăng nẹ na hiên đăng đài chàm chmu hùm bàn. Sans vous souvenir de leur nom, est-ce que les fonctions ont été annoncées de ces personnes? Je ne sais pas si vous avez des fonctions. Vous êtes donc resté une heure dans cet endroit. Est-ce que vous pouvez préciser, quand vous dites que c'était au stade de Bourekela, est-ce que c'était un endroit à l'extérieur ou est-ce que c'était un endroit qui était fermé? Dans la salle, il y a des gens qui ont été Est-ce que vous pouvez indiquer à quel endroit de cette salle vous étiez placé? Vous étiez à l'avant de la salle, vous étiez au milieu de la salle, vous étiez à l'arrière de la salle? Vous étiez à l'arrière de la salle, vous étiez à l'arrière de la salle. Vous étiez à l'arrière de la salle, vous étiez à l'arrière de sau bây giờ nia sao mà dễ cho mưa khơi này phần quan thắc trong chư tới trong cái độ vô mặt địch về tới cô cho mình đằng hướng ấy to ta tiệt thì et au sujet de ces messagers donc ta năng nia sa tang ơ nó de leur nom c'est ça ta lục srei nè lên chăm chmuh puok quat hay rư co yang na ot mien chăm chmuh muoi sa khom Et au niveau de la configuration de la tribune, est-ce que ces deux messagers étaient sur la tribune ou est-ce qu'ils étaient placés à un autre endroit? Et c'est également au niveau de l'annonce que vous avez entendu qu'il s'agissait des messagers de Huyun et Hunim. Et est-ce que vous savez, en dehors de vous, qui était de votre unité de récupération de Victor-Guerre, est-ce que vous savez d'où venaient les autres personnes qui ont été présentes ce jour-là? Si je comprends bien, aucune annonce n'a été faite sur l'origine des participants.
ការប្រកាសណាមួយអំពីអង្គភាពផ្សេងៗដែលមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងទេអញ្ចឹងមែនទេចាអត់មានប្រកាសផង De votre déposition ce matin, j'ai compris que les biographies, ចាដល់ពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់បានខ្លះហ្នឹងគាត់ថានាសាមួយហ្នឹងមិនទាន់ចប់ផងគាត់ថាគាត់ធ្វើបាបអីស្អីនេះខ្លះទេនិយាយហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចូលថាគាត់ធ្វើបាបតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្ដាប់បានហ្នឹងហើយគឺនិយាយច្រើនទៀតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំចាំបានទេនិយាយទៅរឿងធ្វើបាបទេខ្ញុំនៅចាំបានតែប៉ុណ្ណឹង Je voudrais maintenant me pencher sur la deuxième fois que vous dites à la question précédemment. Et cette fois-ci, toutes les personnes de votre unité étaient présentes à cette réunion ou est-ce que vous étiez la seule Est-ce que vous pouvez décrire l'endroit dans la pagode, comment était organisée la salle? Combien d'orateurs y a-t-il eu ce jour-là? J'ai compris que cette réunion s'était déroulée sur toute la journée. Combien de personnes ont pris la parole? និយាយយ៉ាងកាន់ហ្នឹងគាត់ច្រើនមានអ្នកបកប្រែទៀតព្រោះទៅប្រជុំទៅរៀនហ្នឹងមានជនជាតិភាគតិចច្រើនដែរដល់ពេលគាត់និយាយខ្លះអញ្ចឹងទៅមានអ្នកបកប្រែទៅជនជាតិនោះផងក្នុងរយៈមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់និយាយបានខ្លះអញ្ចឹងជនជាតិគេបកប្រែខ្លះបានបានដូចគ្នាបានប្រណាននិយាយផងឃើញតែគាត់និយាយខ្លះហើយនឹងពួកបកប្រែខ្លះហ្នឹង Quand vous dites que d'autres personnes étaient présentes, est-ce que vous vous souvenez si ces personnes ont été présentées? Et à défaut de vous souvenir de leur nom, est-ce que vous savez quelles étaient leurs fonctions? ឈ្មោះឬក៏មុខងារអីពួកអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យស្គាល់ទេឲ្យគេដឹងទេហើយបើមិនចាំឈ្មោះទេតែមាននៅចាំមុខងារពួកគាត់ទេអ្នកចូលរួមមានអ្នកណាផ្សេងមានអ្នកតាមធានមុខរួចហ្នឹង
Et votre chef Pan était donc présent. Hai ka nong Pan nung kot mien wat mien de. Kot mien nong Pan ko mien om moi nung ko kot mien wat mien nung lai nung dai. Pan ko mien jay ai di kon ko tang koi di. Je voudrais maintenant m'intéresser à un troisième point que vous avez abordé avec Monsieur le Co-procureur. Vous avez évoqué votre passage à la pagode Freedom à Cham Chau. Je n'ai pas bien compris dans quelles circonstances vous êtes arrivé à la pagode de Freedom. Freedom. Donc, hier, à l'audience, à un petit peu, après 15h51 et 41 secondes, vous avez indiqué que vous êtes enfui de Samrangtong pour aller à la pagode de Freedom. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Vous vous êtes enfui. Trâu vô dạng mạch đấy, lúc xây rốt, lùi rốt, miền đây dạng mạch, lúc xây bà chạy bàn đấy. Chà, nhưng bà chạy đời rừng, để khi mà rốt bì, bọt xâm rộng, bì xâm rộng, rộng tơ ông máu, bụ khi mà bị đám nơi, để bọt xài, đó nơi bọt xài, kì chạp mê đặc nôm tớ, chạp mê đặc nôm bạc tớ, kì độ bụ khi mà nâng, tầng o khi nha khăn ông mà, kì là anh bọt xài nâng, tầng nơi tạm xạ có, nơi xâm rộng tơ ông. ដំណើរបានមករយៈឃើញថាពួកខ្ញុំទៅមាននៅជុំគ្នាទេក្នុងមួយភូមិដាក់4 5នាក់ដាក់4 5នាក់4 5នាក់6នាក់អីចឹងទេហើយដល់ទៅនៅកន្លែងនោះថ្ងៃមួយឃើញបាត់គ្នាខ្ញុំនៅភូមិមួយប៉ុន្តែភូមិនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំដែរគេយកទៅថាយកឡើងគេហៅទៅក៏ទៅបាត់ទៅថ្ងៃក្រោយមកឮថាបាត់មួយទៀតនៅភូមិផ្សេងខ្ញុំនឹងទៀតបាត់មួយទៀតដល់មើលទៅសភាពការមិនស្រួលខ្លាចពួកថាកោយកត្រឡប់ចោលពួកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថារត់មក
ខ្ញុំលើកតែគេថាវត្តជ័យដំនឹងក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកខៀវសំផនប៉ុន្តែពេលខ្ញុំហត់មកពីស្រុកសំរោងតើងមកនៅនឹងខ្ញុំមិនដែរឃើញគាត់ទេខ្ញុំមិននៅនឹងបានផែកលាស់ខែទេបើខ្ញុំមិនដែរឃើញគាត់ទេនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកតែគេនិយាយទេក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកតាខៀវសំផនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់លើកគេនិយាយក៏ខ្ញុំហត់មកនៅនឹងបានផែកលាស់ខែក៏គេបញ្ជូនខ្ញុំទៅពេជ្រនៅទៅ Ma première question est de savoir quel était le type de travail à la pagode de Cheidom. Nơi vọt chạy đâm mà chùm nuôn cái ai tự độ tùng mà chùm nuôn tiết ai đâm và lại mẹp cột cùng nơi cái lành ông phía hiệp nâng. Chùm phúc chăm phát cái ai nơi đâm và lại nơi nâng một vọt chạy đâm nâng. Qui vous a indiqué que cette pagode où on cultivait des légumes était sous la supervision de Khieu Somphon? Bạn bán phụ nâng ấy, bà chạy khi mà hót đó, bà nhầm hiền hót máu. Bởi kì mình bà chạy khúc xong mình hiền hót đấy. Và thay chỗ chân nắm nhầm nó thì mà lên nâng vọt nâng, đã lên vọt nâng tới. Bạn chú phụ mật nâng lại nâng tới cái phía thạp bởi bà phê hót bà này màu. Hồi tới kì dây phép nhầm tức xong bàn dây bì môn chẳng đó cái tới. Tôi thay chỗ chân nắm ngay bà hói, cứ xong nóng này hót mến. Mong đọc bì giúp, xong hót cắt tăng bì sọc xong rong tương mà là hốt đo vọt chạy đòn. Đó vật chị đóng chết phử.
Donc ce sont, si j'ai bien compris, les gens, c'est le chef de la pagode de Chaidon qui vous a encouragé à fuir l'endroit où vous étiez. C'est ce que je dois comprendre, c'est le chef ou c'est quelqu'un d'autre? ອັນຈັ່ງຂ້ອຍສູ້ບັນຈັກຖ້າຕາຊິຊິປະທຽນວັດໃຈດໍານັ້ນໃຫ້ໃນປັນເຈັກឲ្យລົດມານៅນັ້ນຫຼືກໍແນັກໃສງຕິດປະທຽນນັ້ນຕະບວງນັ້ນກໍឲ្យຂ້ອຍຮອດມາກໍປະໄຈຂ້ອຍຮອດມາລົດອໍເພຂ້ອຍຮອດມາດອລຍຸບນັ້ນປະເລີມລັງມີເນຍສາປີແນັກມາຕາມຕິດມາຕາມມາຊູປະທຽນນັ້ນຖ້າເຄີຍມີຮອດມາ 4 Et lorsque vous avez eu cette discussion avant de vous enfuir le jour où vous avez été pour le nouvel an à cette pagode et que ce chef vous a conseillé de vous enfuir, vous a-t-il dit que les conditions au sein de cette pagode étaient meilleures que l'endroit où vous étiez? គាត់ប្រាប់ដែរគាត់ថាបើមកនេះមកគ្មានការកាប់សឡាប់អីទេកុំភ័យឲ្យតែចូលមកដល់ហើយគេទទួលហើយគុំខ្លាចថាគេយកទៅសឡាប់ចោលទៅអីអត់អីទេគេប្រាប់អញ្ចឹងបានហ៊ានមកហ្នឹង Je voudrais maintenant revenir sur les documents que nous avons à disposition pour votre constitution de partie civile. Nous avons un premier formulaire d'information de victime du 14 octobre 2009. C'est le document E319-45.4.8, URN en Khmer. 01 04 939 694. ແລະបំពេញសំណុំបែបបាត់នឹងដើម្បីធ្វើចូលរួមជាភាគីនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីលោកស្រីមានចាំតែខ្លួនឯងបានបំពេញសំណុំបែបបាត់នឹងទេខ្ញុំបានពេញដែរប៉ុន្តែដឹងធ្វើថ្ងៃប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះគាត់បានធ្វើ Vous, nous avons également un deuxième formulaire. C'est un formulaire d'information supplémentaire qui, cette fois-ci, est en date du 29 juin 2013. Donc, c'est toujours le même document, E319-45.4.8. Cette fois-ci, ERM en Khmer 01-04-939-384 et ERN en anglais 01-39-694. Il n'y a pas d'URN en français. Nous avons ce document, on vous fait vous donner des informations complémentaires sur votre histoire et c'est en date du 29 juin 2013. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Est-ce que vous vous souvenez qu'en 2013, vous avez donné des informations complémentaires à fournir à ce tribunal? À l'attention.
សូមទោសលោកប្រធានសូមឲ្យលោកស្រីមេធាវីផ្ដល់លេខឯកសារសារជាថ្មីខ្ញុំតាមបន្តសូមអរគុណសូមជញ្ជួយលោកស្រីមេធាវីផ្ដល់លេខឯកសារសារជាថ្មី Pas de souci. Si j'ai fait une erreur, le Khmer, c'est le 01-049-384. Et en anglais, c'est le 01-39-684. Et je précise que la signature de la partie civile se trouve à l'URN suivant au Khmer, qui se termine par 85. En tout cas, votre conseil nous a fourni ces déclarations complémentaires en 2013 et nous avons un troisième formulaire d'information supplémentaire, cette fois-ci en date du 28 mai 2014, et c'est le document E3/50/10A. Donc 50-10A. Ma première question est de savoir pourquoi, alors que vous avez fait une première déclaration en 2009, une déclaration complémentaire en 2013, pourquoi la première fois vous évoquez que son pan n'intervient qu'en mai 2014 ក្នុងខណៈដែលលោកស្រីបាននិយាយបានផ្ដាល់ព័ត៌មានពីរដងកន្លងផុតមកហើយហើយដៃបានទំលឹកចុងក្រោយនេះបាននិយាយពីលោកខៀវសំផនខ្ញុំអត់ដឹងដែរព័ត៌មានអឹងដល់មកខ្ញុំអត់ដឹងនេះដឹងប្រមាណដងប្រមាណដងតែដឹងផងប៉ុន្តែក្រែងមុនខ្ញុំធ្វើមិនអស់មិនដឹងហើយក្រោយថែមទៀតមិនដឹងខ្ញុំអត់បានដឹងផ្លេចអស់ហើយ Est-ce que pour vous, à l'époque, la rencontre avec un dirigeant, une personne comme que son père, c'était quelque chose de rare ou c'était quelque chose de fréquent? ដែលកើតឡើងញឹកញាប់ដែរឬទេឬក៏កម្រនឹងជួបឋានៈដឹកនាំណាកាលសម័យនោះ កុំមកជួបអ្នកដឹកនាំណាណាសង្ឃសម័យនោះមានអ្នកដឹកនាំណាមកសួរសុខទុក្ខឯណាដើរចុះដើរឡើងគឺគ្មានទេតើមានល្វល់អីនឹងបានឃើញហ្មង Donc ma question n'en est que plus importante dans ce contexte-là. Pourquoi n'avez-vous pas évoqué cette rencontre avec Khieu Sampan, qu'il aurait parlé, il aurait incité les femmes à se marier, les femmes de 19 et plus à se marier? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé lorsque vous avez évoqué votre mariage dans les déclarations antérieures à 2014? Merci, je m'excuse d'interrompre ma consoeur, juste une précision. Parce qu'il est un peu difficile de se repérer dans les documents. Le document E319-45.4.8, qui est l'information supplémentaire qui date du juin 2013, citée par notre consoeur, est en fait un document qui a été communiqué d'une autre instruction. du dossier dans lequel la personne est mise en examen. Donc simplement pour indiquer qu'il y a une séquence de documents, mais quelque chose
ne viennent pas de ce dossier que certains ont été communiqués par les bureaux procureurs, mais du dossier numéro 4 avec des suspects naturellement qui sont mis en examen, qui sont différents, simplement pour que la Chambre soit informée de la séquence des différents documents. Il y a un VIF, donc une constitution de partie civile dans le dossier 2. Le deuxième document de 2013 est une information supplémentaire qui a été communiquée par le procureur qui vient de 2004. Et ensuite, une information supplémentaire de 2014 dans le dossier 2. Voilà. On m'indique que ce deuxième document aurait eu un 3... spécifique donné par la Chambre, il s'agirait du E3-50-10B, pour que ce soit bien clair pour les Français. Donc ma question demeure la même. Dans le cadre des informations complémentaires que vous avez données, et surtout de votre premier formulaire d'information de victime, pourquoi n'avez-vous pas parlé de ce que vous indiquez comme être un événement particulièrement rare, puisque vous avez indiqué que vous ne rencontriez pas des dirigeants régulièrement? Pourquoi est-ce que c'est simplement en mai 2014 que vous avez évoqué ce point pour la première fois? Monsieur le Président, selon mes calculs entre les questions de M. Jelavergne et les questions de Mme la juge, il nous reste encore quelques minutes après la pause déjeuner. Donc, si vous voulez, je peux m'arrêter là, je terminerai comme il faut. Monsieur le Président, selon mes calculs entre les questions de Mme la juge, il nous reste encore quelques minutes après la pause déjeuner. Donc, si vous voulez, je peux m'arrêter là, je terminerai comme il faut. Monsieur le Président, selon mes calculs Nous avons à peu près 15 minutes. Donc vous indiquez que vous ne savez pas l'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'au cours de cette déposition, vous avez indiqué là, cette fois-ci, pour la première fois devant la Chambre, que vous auriez également rencontré et que vous auriez également rencontré Pol Pot. En plus de Khieu Samphan, que vous avez mentionné pour la première fois en mai 2014. Donc ma question demeure la même. Pourquoi est-ce que vous évoquez ces rencontres pour la première fois à la barre aujourd'hui en 2016, alors que, comme vous l'avez indiqué, c'était un événement rare et que vous ne l'avez pas mentionné dans votre première information de victime? Pol Pot yang seri ini nang tiup tempat nai muksawna kah nih hai ban lusai di jam pirung nih. Kiam teruk kiam jei deh panam dang je ter nang dang ter ngai man kai man mau kiam kuat ban dang ban dak ni malah ban dang dah. Panak kiam jam ban tam tak kiam jei ngai nang kiam jam ban dak luon kiam tua ku jam ban deh. Dans votre premier formulaire de partie civile que j'ai mentionné tout à l'heure, donc à l'ERN en Khmer 01049379, ERN en anglais 01139644 et les pages suivantes, enfin c'est le résumé essentiel. Dans ce document, donc E
319-45.4.8. Vous ne parlez ni de Khieu Samphan, ni de Yeng Sary, ni de Pol Pot. D'ailleurs, dans ce formulaire, ce premier formulaire, vous ne parlez pas non plus de votre interrogatoire dans une salle où il y aurait eu des armes et des outils et au cours desquels on vous aurait posé des questions sur vos affiliations. Vous n'évoquez absolument pas ce point. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous ne l'avez pas évoqué au cours de la première fois où vous, vous avez demandé à être admise comme partie civile? Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une objection et je pense que la partie civile est parfaitement capable de répondre par elle-même, mais juste une information pour la Chambre des parties publiques. Vous rappelez que ces formulaires d'information ont en général été collectés par des organisations non gouvernementales, par des ONG. Il ne s'agissait pas d'officier de la Cour, d'enquêteur de la Cour, et que donc d'une ONG à l'autre, les questions variaient, le contenu des constitutions de partis civils variaient, et je crois que la Chambre est désormais très bien informée sur la disparité qui existe entre ces constitutions de partis civils en fonction des ONG qui sont allées recueillir des informations et en fonction des informations dont disposaient les ONG au moment où elles ont rencontré les victimes. Donc, je sais que la Chambre est au courant de tout cela et j'espère qu'elle aura en tête ces informations quand elle entendra la réponse de la partie civile qui, encore une fois, je pense, est parfaitement capable d'expliquer par elle-même pourquoi la rencontre avec Khieu Samphan et d'autres faits n'ont pas été mentionnés par l'ONG qui a pris sa constitution de partie civile. Formulaire d'information complémentaire de mai 2014, pourquoi vous n'avez pas parlé de ces rencontres avec les autres dirigeants La raison pour laquelle je vous pose toutes ces questions, madame la partie civile, c'est que aujourd'hui à la barre, également une première fois en mai 2014, vous avez apporté beaucoup d'éléments nouveaux et se pose la question du caractère correct, disons, de vos souvenirs. Et pourquoi je vous dis ça, par exemple, vous avez indiqué ce matin, répondant à monsieur le juge Lavergne, que lors de la visite de Pol Pot, il n'y avait pas d'escorte, il n'y avait pas de garde du corps, alors que hier, à 15h57, et une seconde, vous avez indiqué que vous n'avez vu personne d'autre accompagnant Pol Pot, hormis ses gardes du corps. Donc, dans vos souvenirs, dans les rencontres successives avec
que ce soit Yeng Sari, que ce soit Pol Pot, est-ce que vous ne pensez pas que le temps qui s'est écoulé ne vous permet pas d'avoir un souvenir précis de ce qui s'est passé et que c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avez pas mentionné ces éléments lors de votre premier formulaire, votre première déclaration de victime qui était pourtant en 2009 et plus proche des faits. Monsieur le Président, je pense que là, il y a une très longue question dont l'origine est simplement une contradiction que l'avocate pense pouvoir constater concernant la visite de Pol Pot. Je pense qu'il faudrait la séparer en plusieurs morceaux. Oui, d'abord, il nous explique si effectivement il y avait des gardes du corps ou pas avec Pol Pot. De là à tirer de cette éventuelle contradiction une grande conclusion sur l'état des souvenirs de madame, je crois qu'il y a un pas qui ne devait pas être franchi. Les déclarations de la partie civile ont été très claires. Une autre question que je pense que la défense aurait pu poser, puisqu'elle s'attarde sur ces formulaires, c'est de savoir si la personne, sait lire ou non. Si elle sait lire, si elle sait écrire. C'est une question qui n'a pas été posée, mais je crois qu'elle est importante pour comprendre si la personne a bien pu. Non pas signé, parce qu'on a parlé de signature, mais simplement à poser ça, son empreinte digitale. Je crois que ça utile au débat de savoir si la personne sait lire ou écrire, et également de séparer les questions qui ont été posées par la défense. Je trouve cette intervention particulièrement déplacée, parce que ce n'est pas une objection, c'est une manière de plaider. À un moment où je souligne différentes contradictions où je pose des questions qui sont légitimes en matière de défense, c'est normal, en tant qu'avocat de 200 ans, je me pose la question lorsque une partie civile n'a jamais mentionné auparavant dans sa déclaration de 2009 la présence ou sa rencontre avec 200 ans, arrive tout d'un coup en mai 2014, juste après les nouvelles charges, enfin la définition du procès 02/2 pour mentionner sa rencontre avec 200 ans. C'est normal que je pose des questions. Ce n'est pas à monsieur le procureur, ni aux avocats des parties civiles de répondre à la place de la partie civile. Elle a la possibilité de s'exprimer, je lui pose des questions qui sont tout à fait cohérentes, et je ne vois pas pourquoi on voudrait que maintenant aujourd'hui je pose des questions différentes de celles que j'ai envie de poser. I don't think anybody is trying to prevent you just from anything. I just wonder if the party has followed any of what happened in the last 7 or 8 minutes. So let me try to tailor it and by all means follow up on that if you feel this is not enough. Councillor has pointed out that you haven't mentioned the meetings with Khoe Samphang until 2014. Now the question is, are you sure that these meetings have happened? And can you give us a reason why you didn't mention that before 2014? If you can, please do. If you can, please do. This is not the question. The question is, can you tell us why you didn't mention the visit or the encounter with Khoe Samphang before 2014? Khmer
đôi vẹt đài chìm nâng chìa nẹ nà thơ cá nóng chìa mọt đăng đài đôi vẹt đài cái lại nâng phần bực chìm thớt chìm đại phần là cái lục chìm đăng bàn thơ mà bàn thớt chìm bọt đăng ở phía phlech tớt chìm phlech tớt nhỉ ọt đăng phóng đăng ta thơ chìm mùi mê thư vi chìm muộn nâng phần nẹ ta thơ chìm khôn thơ chớn à. And do you remember today? I'm just asking, do you remember if you told your lawyer that you met Khmer somehow? Or was this never an issue? Was this never mentioned until 2014? Or was this never mentioned until 2014? I was told that in 2014, I was told to meet Khmer. 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 Ừ, muốn muốn nhưng mà đắng thì trong phơi cùng đắng trong đắng bàn thơ cùng đắng trong thơ cùng đắng trong phơi cùng đắng anh đang trong mặt yên tha đài. So the long and short, you don't know why you didn't mention it. Yeah, before 2014, is this correct? You didn't even know if you mentioned it. Mình chạm thằng lục sợi bàn gì được ăn phong chẳng mình thế. Chà, trong dây chẳng là đang bàn dây đang bàn ọt phong. Un dernier point donc qui découle de vos réponses précédentes. Vous avez indiqué que, en tout cas, vous l'avez mentionné à votre avocat lors donc de votre déclaration de mai 2014. Mais ce n'est que cette fois-ci à l'audience, pour la première fois, que vous avez évoqué une deuxième réunion à laquelle vous auriez vu que Sampan au stade de Boreikila. Ça n'apparaît pas non plus dans votre formulaire de mai 2014. Et comme vous situez, je réinsiste en disant est-ce que vous êtes sûr de vos souvenirs sur ces réunions. C'est un point qui a été abordé par M. le juge Lavergne. Nous avons vu que vous situez le procès de Ouyoun et Ounim en 1975. Or, nous avons au dossier deux listes. Et je m'intéresse tout d'abord à la liste S21E3-8463 où apparaît au numéro 2 de cette liste le nom de Ounim comme ayant été arrêté à S21 en tout cas entré à S21 le 10 avril 1977. Et nous avons également un document des co-juges d'instruction document E3-10604 où Ounim apparaît au numéro 1959 et où il est indiqué qu'il était ministre de la propagande avant son arrestation. Donc, la probabilité d'un procès de Ounim avant fin 1975 paraît plus qu'improbable. Donc, je maintiens, et ce sera ma dernière question. Madame la partie civile, êtes-vous sûre que vos souvenirs sont fidèles et que vous n'avez pas une confusion dans la manière dont vous vous souvenez des événements? Nhưng mà dây ta nhưng tham đang chỉ chặt phẳng đang chỉ chặt vào mùi buộc khi mặt đang khai đang ngày tê nhưng dây chẳng khi mặt bẹp phải thật khi đang khai đang ngày na ngày na tê phần đang chặt bẹp chặt vào mùi tê còn cắt tốt đang cắt tốt hơi tê nia xa máu tê mà khơi u nơ mu chôn tê nhưng mà phần năng. Effectivement, j'ai bien compris que vous n'aviez pas de souvenir de la date, mais vous aviez dit à plusieurs reprises que ces réunions se sont passées en 1975. Vous avez situé votre mariage avant fin 75 et vous avez situé ces deux réunions avant votre mariage. Donc même sans vous souvenir des dates, vous avez donné des repères de temps qui pose quand même problème par rapport au document que je viens de citer. Monsieur le Président. Je ne me pose pas la question, mais je crois que il y a le premier document qui a été cité.
Il ne me semble pas que ce soit le document ou au numéro 2 on trouve le nom de Hunim. Et j'ai dit URN en français, c'est l'URN en anglais, parce qu'il n'y a pas de traduction en français. Donc, sur la liste numéro 2 de ce document qui vient de Zaylab, 84-63, le nom de Hunim. Et pour le caractère complet des débats, je rappelle que dans le document 3/1502, un document FBIS, on évoque un communiqué de presse annoncé par Hunim le 14 avril 1976. En tout état de cause, ma question demeure la même sur le fait que Madame la partie civile a situé ces deux réunions avant fin 1975, puisque avant son mariage. Merci, Monsieur le Président. Une observation, je ne me pose pas la question, mais pour que les informations soient complètes, il me semble que lorsque le juge Lavergne a interrogé la partie civile ce matin, celle-ci a situé les réunions fin 1975 ou début 1976. L'année 76 en début de matinée, et puis sur question insistante de notre consoeur, elle a finalement réussi à situer les réunions en 1975. Je crois que nous sommes tous d'accord que dans cette salle, la partie civile est confus sur les dates. Elle a indiqué au juge Lavergne que c'était fin 1975-1976, qu'elle a ensuite លោកមិត្តរីដល់ពីសម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសវនាការបង្កប់ឲ្យរិទ្ធិទីគុំឃាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទុករងចាំខាងក្រោមសាសនាការនិងបង្កប់នាំខ្លួនទៅកត់ត្រឡប់ចូលរួមសវនាការក្នុងបន្ទប់សវនាការវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះសូមអញ្ជើញសម្រាប់